Bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce Let's Play Metroid Prime 3 Corruption, épisode numéro 2. Je vais revenir en Orient parce qu'apparemment j'ai oublié deux choses à analyser. Bon, c'est un vaisseau, parce que regardez, c'est beau, j'ai largement assez. Apparemment j'ai oublié deux choses à analyser que je vais aller voir de suite. Bon, je peux revenir sur Orient, c'est pas un problème ça. En centre de la galaxie, ça m'intéresse pas. Norian. Je vais aller ici. Directement. Je mets un truc dans les recherches. Non, non, mais ça c'est dans. Putain, je peux pas ça. Je crois qu'il y en a une que j'ai oublié, non? Je vais regarder ça. Voilà. Un écrit apparemment que j'ai oublié. Un petit instant. Ah oui, quand même, hein. Ça détruit beaucoup de trucs, hein. L'autre est encore vu. Il est encore vivant, lui. Alors deux secondes, allons voir un peu la carte. Désolé, hein, je suis un peu je regarde juste les trucs. Pardon, excusez-moi, je suis un peu. Stockage de données. Ah, alors il est où? Stockage de données, stockage de données, stockage de données, conduit à. Ah. Oula. Vraiment, je reblie là. Ça me paraît bizarre. Oui, on sait, bien évidemment. Alors là, après l'Orient, après l'attaque, enfin après le largage de la bombe explose, enfin après la phase, bien évidemment. Donc tout le monde est en train de réparer. Voilà. Donc là, ça c'est pour après, bien plus tard. Alors t'es quand même la boule morphique avec cette tenue, c'est vachement super. Alors. J'y suis. Je suis bien au stockage de données. Hein. Apparemment. Je crois qu'apparemment. Ben, il y a une chose qui est pas bien répertoriée. Donc ben on va voir ça de suite. Il y a peut-être un qui se trouve quelque part, c'est qui. C'est ça que je comprends pas. Ah! Attends. Voilà. Voilà, il y a une petite erreur dans les.
Il y a une petite erreur dans les trucs. Et ouais. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Donc j'avais bien tout analysé. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, maintenant on peut aller sur Brio. On a tout fait. La vérité, tout fait. Mais voilà. Moins joué, on est assuré. Voilà. Ce que j'ai un peu, je repère ces trucs. Enfin, dans le site, il y a. Peut-être j'ai passé par rapport aux versions. Ou je sais pas, peut-être, je sais pas si. Mais il y a une erreur de. Une erreur de localisation des objets. Ou à part si ça a été changé, voilà, je sais pas. Peut-être une erreur de localisation. Faudra peut-être. Au revoir. Voilà. Le principal. Bon. Je sais que c'est un peu chiant, mais le principal c'est d'avoir assuré. Avoir assuré nos 100% de chances d'objets analysés. Parce que je vais en avoir vraiment besoin. Donc maintenant je peux continuer ma quête principale. Oui. Voilà. Ouais. Non. Collection. Ouais. Alors. Donc maintenant nous pouvons continuer vers Brio. Nous pouvons continuer l'aventure principale. Oui. Qu'est-ce qu'il me fait ça? Voilà. Alors. Ah, voilà, ici. Il s'est repéré. Bon, à noter ce qui est bien dans ce Metroid Prime 3. Bon, il y aura peut-être des petits trucs que je vous expliquerai, mais. Truc qui sert à rien dans cet épisode, je pense, à mon avis. Je pense que vos pères, voilà. Bon, attends, ça fait longtemps qu'il a été publié ce jeu. Un peu moins longtemps que les deux autres parce qu'il est sorti sur Wii avant de sortir, avant d'être réédité. Enfin, il est pas réédité en gros, puisque c'est pas une réédition, c'est épisode original quoi. Bon, néanmoins, ce que j'ai à dire, c'est qu'on peut démarrer l'aventure tranquille. Redémarrer l'aventure tranquillement. Ah. Voilà. Les babillons nocturnes. Ouais. Bon, c'est un peu guidé ce Metroid, j'avoue. C'est pas grave. Ah, ça j'ai déjà analysé, c'est bon. Je préfère vraiment un habitant. Le bio-organisme est encore vivant. Ah bah dis donc. Ah, faut que je tire peut-être alors. Ah, les petites bêtes. Là, j'adore cette amélioration, le grappin à saut.
Est-ce que j'ai pas trouvé ça? C'est dans... On va aller là. Grand caisson de brio. Petit caisson de brio, voilà. C'est bien ce que je pensais. Et nous aussi à brio. Ah, la porte à déverrouiller. Ok. Après, on est obligé de passer par là. Nous n'avons pas le choix. Ça, je peux pas encore réaliser. Tac. Pour l'instant, là, c'est bon. Non, il faut aller par là. Par là, voilà, c'est par là où il faut aller. Alors là, est-ce que je peux y accéder? Ah, il faut que j'accède comme ça. On va débrouiller le premier passage. Voilà. Ben dis donc, ça vous avez envie de tirer vous. Aïe, ça fait mal. J'ai perdu beaucoup de poison DMDR. Ça fait même genre. Non. Analyser comme ça de suite. Bon, c'est pas grave. On va aller par là maintenant. Yahoo! Voilà, au moins j'ai ouvert ce passage. Pardon, excusez-moi. Voilà.
Voilà. La première analyse de brio. Une réserve d'énergie supplémentaire. En tout cas, ce qui est bien, dans cet épisode, vous avez beaucoup de réserves d'énergie au début. Pourquoi? Parce que vous avez votre mode hyperbot, tout simplement. Donc ça, c'est pour l'instant, je ne le peux pas. Ah tiens, bon, température, mais je n'ai pas encore ce rayon-là. A noter qu'il y a trois rayons dans ce jeu. Donc le rayon de puissance. Là, ouais, je vais aller par là directement. Aïe. Bon, c'est pas grave, j'en aurai d'autres à analyser. Alors ici. Voilà, bon ça c'était simple. C'était easy comme on dirait certains. Alors voilà là. La première réserve de missiles. Non. La deuxième. Alors, je sais plus où elle a eu, mais c'était la première. Voilà. On l'a analysé là. Déjà analysé. Alors là, ça. Phason. Tac. 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 Et tac. Voilà. Alors, vous êtes dans votre état de hyperphasant, vous êtes invincible. Cependant, ça sera expliqué après pourquoi vous devez garder votre sang-froid en utilisant ce mode. Enfin, en bref quoi, en résumé. Voilà. Ah. Yeah. Ah. Voici les premiers ennemis. Bonjour. Ah, il m'a fait mal. Bon, vous voulez plus les démonter ? Vous chargez votre rayon et boum. Bon voilà, on a compris en gros. Avec le rayon phason, vous êtes quasi. Enfin avec le rayon phason, voilà, vous êtes quasiment presque invulnérable. Mais attention, hein, en mode facile ça va, mais en mode hypermode, attention. C'est accrochez-vous. Alors là, il y a un petit passage. Ok, donc ça sera déverrouillé après. Voilà, normalement, je crois qu'on peut pas y accéder de suite. Oui, parce que là, voilà, c'est la sortie. Et malheureusement, nous n'avons pas l'objet adéquat. Alors là, même système de verrouillage. Alors, tac. L'ère de la science. C'est bon, déjà réalisé.
Bon, j'ai pas vraiment visé, hein. C'est de la sonaliser. Alors ici, pour passer, c'est simple. Voilà, ici. Constitué d'un alliage talorique. Et talorique, c'est... La bombe est très efficace. Voilà. Alors là, en fait, le but, c'est de vous faire attraper par ces petites merdes, là. Et voilà. Heureusement, comme il est pas assez puissant. Enfin... Voilà. Et ensuite, quand vous êtes assez monté, vous tirez le bombe. Et voilà. Et vous tenez le réservoir du missile. Bon, c'est facile dans ce Metroid de sauter. Voilà. Alors ça... Aïe, ça fait mal. Ah. Cette fois-ci, vous l'obtenez vraiment bien au début, ce rayon. Enfin, ce grappin. Mais vraiment bien au début, hein. Notamment deux premiers épisodes. Le grappin, je crois que c'est quasiment le dernier objet à obtenir. L'avant-dernier objet à obtenir, parce qu'il y avait le rayon de place. Enfin, il y avait le rayon de placement, enfin, les trucs, comme... voilà. Et là, c'était bien au milieu. Maintenant, celui-là, c'est bien au début. Voilà. Voilà, donc c'est simple. Maintenant, vous pouvez partir de cette zone. Elle ne vous intéresse plus du tout. Je crois qu'il y aura un truc qui m'intéresse ici, mais pas de suite. Là, pour l'instant, on pourrait y refaire dans cette zone de plus. Ah, dommage! J'aurais pu me servir. Voilà, le but, c'est simple. Je crois que c'est... Si on peut faire comme ça, je crois. Pas de conneries. Ah ouais, comme ça. Voilà, c'est plus simple. On gagne du temps. Le premier et le dernier. Alors, ici. Aïe. J'ai un petit peu. J'ai un petit peu peur de la bébête. Alors là, non, ils sont pas. Ah. Oula. Elle vous rote pas. Hein. J'ai analysé ça. Ouais, c'était petit babouin nocturne. Ah, ça veut dire que vous pouvez pas passer par là. Mais bon. Quand vous avez rayon grappin, maintenant, vous pouvez passer par là. Tant c'est compliqué, autant faire plus simple. Voilà. Je vais essayer à les analyser. Enfin. Analyse.
Allez, acheter la brique. Donc là, vous pouvez pas accéder, vous avez la porte en face. C'est parce qu'il n'y a pas de réseau d'électricité. Voilà. Ça également aussi. Alors, ceux-là. Missile, ça suffira, ouais. Il faut être des pionniers dans ce jeu pour aller, pour vraiment aller ici. Vraiment bien moche pionnier. Voilà. Et voilà. Et là, vous obtenez la carte de Brio. Là, ça ensemble, je crois, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Alors, vous allez débrouiller deux autres zones. Voilà, comme vous voyez, pour l'instant, pardon, excusez. Non, la première. Et la deuxième. Carbugel. Bon, après, pour analyser ça. Alors là, vous avez deux choix. Enfin, vous pouvez passer par là. Voilà. Donc, pour venir par là. Mais nous allons repasser directement par là. Pourquoi ? Pour récupérer la dernière missile qui est en haut. Et voilà, comme vous voyez, les circuits électriques ont été réactivés. Ouah, mais bon. C'est simple quand même. Ah oui, c'est là. Tac. Voilà. Notre réserve de missiles. Bonjour. Aïe. Ça fait mal. Attends, là maintenant vous pouvez, vous devez aller à... Ah oui, c'est vrai qu'elle se téléporte en plus. Oh, elles sont chiantes. Ah bon, ça va quoi. Pardon. Voilà, récupère toute l'énergie, notre énergie.
malheureusement. Ah, ça t'en est bloqué. Un sauteur crasher. Voilà, bon, c'était facile. On peut vous casser pour l'instant cette planète. Voilà. On va aller... Non, je crois que c'est là, je peux pas y aller. C'est la piste bio, fallait que j'aille. C'est pas grave, on va voir tout de suite, de toute façon. C'est ces bestioles, elles sont analysées ou pas, je sais pas. A noter quand même la beauté des voyages. Est-ce que je pensais? C'est pas là qu'il faut y aller d'abord. Parce que là, je crois que je vais être bloqué. Je sais pas, je vais regarder. Alors, est-ce qu'il y a des choses à réaliser, à voir? Déjà vu. Tiens, une autre réserve d'énergie. Pourquoi pas? Ah, j'y pourquoi pas hein. Là, en fait, pour déverrouiller cette zone, il faut aller directement en haut. Voilà. Je crois que ça va être là où on va être bloqué.
Je sais pas pourquoi. Automatiquement je l'améliore. Donc cette zone n'est pas accessible. Mais bon, au moins on a un peu vu de son contenu. Et enfin, je vois, c'est un méchant détour en vérité. Parce que ça c'est la zone la dernière zone à voir en fait. Voilà quoi. Sauvegarder un drone de vaisseau, pourquoi pas sauvegarder aussi, c'est faut toujours sauvegarder, faut protéger ses arrières, on sait pas, on peut avoir un game over, bon. Normalement, je vous avouerai, Game Over, c'est pas vraiment possible. Mais bon, faut toujours se méfier. Ouais. Ok. Donc, on va aller à Pitardot. T'as noté que notre vaisseau est beaucoup plus grand que les autres vaisseaux, quoi. Regardez le vaisseau de Rundas, quoi. Les moteurs sont encore chauds. Ça veut dire qu'il atterrit ici très récemment. Le carbugel. Alors, ici. Ah, il faut tirer. Ah, ça déverrouille la zone. C'était pour l'instant. Ah, le premier. Alors, pour l'instant, c'est pas là où on doit y aller. Thank you.
Oups, pardon. Excusez-moi. Schisme. Alors ici, ah, déjà fait, ben non. Voilà, pour récupérer les réserves de missiles. Pardon, désolé. Quand je vous serai, ça fait beaucoup de bruit. Ah non, j'ai juste tombé quoi. Bon, ça va en même temps. Ah, 200 ennemis vaincus. Ah voilà, ouais, ici. Donc là pour l'instant malheureusement. Non. Ouais, un petit peu des accès. Oh, voilà. C'est bien ces petits ascenseurs, hein. Ah voilà, et là. Voilà. Voilà. Received very abnormal readings from your life support systems. Are you okay? As a precaution, we are downloading the diagnostic data. We will contact you again if we have any. Enfin, voilà. En gros. Juste la phase pour vous expliquer un peu. Voilà, si vous appelez, vous êtes en phase en mode corrompu. Si par contre cette barre rouge, elle monte jusqu'au son maximum, vous mourrez. Parce que pourquoi? Voilà. Parce que vous vous transformez en Samus sombre. Voilà. Alors, tu sais, ce qui est bien, c'est que le maintenant avec le phase en, ben. J'ai de l'énergie à volonté. C'est bien, ça surprend les flaques de phason. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi il faut bien utiliser le mode hyper mode. Ah. Rundas. Que fait-il ici? Ah.
Ah. En tout cas, elles sont bien faites, les créatures, j'avoue. Loup Hitler. Les attaques en base de froid. Et comme nous n'avons pas de froid... En tout cas, le... passer en mode de phason... En mode... phason corrompu est tellement bon. Waouh. Alors ça, ça permet de vous garder en mode... Vous garder en mode hyper mode... Pendant un certain temps, il fait beaucoup plus de dégâts. Il faut juste gérer. Il faut juste gérer ça. L'âge de la guerre. On dirait les combinaisons de James Bond, quoi. Ça dégueu. Déjà analysé ça, le ça. Alors, par ici, où il faut y passer déjà? Ah oui, il faut passer par là, faut faire. Tac, voilà. Et voilà. Ah oui, ici. Voilà, tu veux le pompage. Voilà. Ça pour amener ici. Hein? Les fameuses pitbulls phasons. C'est acrobon.
Et le va probant. Ah voilà, elle est là la petite. Elle est très difficile à analyser cette créature. Ah, elle était là. Enfin, il faut bien garder son sang-froid. On va garder son sang-froid, on va analyser un bon moment. C'est un peu chiant, mais bon, tant pis. Ah, voilà. Encore. Pas très loin. Ah voilà, là j'ai les raies. Très bien. Au moins ça c'est fait. Petit salle sauvegarde. Pardon, voilà. Voilà. Bonjour, au revoir. À ça. Encore, je serais bien visible, peut-être. Aïe! On s'en fout de toi. Ah oui, ça va faire attention à cette petite créature-là.
Oui, ça fait mal. J'avais un jet de toute façon. Ah. Ce que je voulais pas qu'on fasse, ils se sont fait tous à faire voir. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Ah là là. Chouette ambiance quand même. Le missile qui glace. Mise à jour de l'armure en tenue. Lance-missile glace connecté. Yahoo!
Mais non, mais que je suis bête. Ouais. Bon. C'est pas grave. En fait, le mec va tomber ici de glace, ben voilà. Pour écrire des plateformes. La forme de glace dans le feu. Et avec le carbugel, ben maintenant, vous pouvez geler des trucs. Maldium. Clearly, this is the source of the energy signature we detected. This generator is supplying power to the Leviathans. You will be unable to destroy the generator. You must find a weapon capable of penetrating it. Pour l'instant, je ne peux pas le détruire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'armement actuel. Bon, c'est pas grave. Dommage. Ah non, il faut que je les détruise en plus. Ah. Ah, ça tu corrompu. Allez, on sur le pyramide. Et là, pour gagner du temps, je vais prendre ce chemin. Ah bah oui, hein. Autant gagner des réserves de missiles possibles. Hein.
Et maintenant, vous pouvez détruire ces portes blanches. Voilà, comme ça, moi, vous pouvez revenir par là si vous voulez. En même temps, vous donnez la dernière domicile. Voilà, pour l'instant, on pourrait descendre par là. Vous n'avez pas d'autre choix d'aller que par là. Voilà, et ça vous. Là où la boule y avait, vous ramène ici, automatiquement. Bon, ça on l'a déjà analysé. Oh, je tire du feu. Non, les portes roches que vous voyez, c'est pas pour l'instant accessible. Sauvegarder entrer dans le vaisseau. Ben voilà, Rundas, si vous voulez prononcer l'américaine, enfin je sais pas. A été battu. Donc maintenant, alors faut pas y aller ici, faut aller directement là. Ce que vous pouvez voir, votre arme actuelle n'est pas. Il vous manque une amélioration pour votre vaisseau. Pour pouvoir permettre de blinder, de tirer. Bon, je vais moi. Suivez-moi si vous voulez, y a pas de problème, hein. Tout dans le bourrique, hein. Pardon. Oula. C'est vrai qu'ils peuvent se téléporter comme les. Comme les pirates de l'espace. Comment ça s'appelle? Comme les pirates de l'espace dans Metroid Prime 2. Bon, maintenant, vous pouvez y aller par ici.
Samus. We have discovered a Federation. You may be able to use this facility. We are sending the coordinates. Voilà, un peu où ouais, y aller. Pardon, excusez-moi. Voilà. C'était déplacement perfectionné. Je suis pas un peu bête. Ouais, faut juste faire ça. Voilà. One, two, three. Attends. Ah mais non, toi tu vas arrêter de nous saouler, toi. Pourquoi j'ai pas pensé plus... Ah. Ouais, j'ai peut-être pensé plus tôt. Ouais. Ah, voilà. Elle a peut-être détruit quelque chose, non? J'ai analysé ça. Ah voilà, ah oui. Et voilà. Et maintenant. Voilà, j'ai fini ma tâche, je me repose. Et voilà, une salle a été déverrouillée. Samus, we have uncovered more info. It appears that once activated, the unique phazon inside your body overreacts. We did not foresee this problem when we gave you the PED. We are sorry.
Please be aware that it will not be possible to counter Dark Samus without the PED. We must be careful in using it. In the meantime, we will continue to investigate this unique thing. Ah là là. C'est les mêmes. Ah, ok. Manquez mon ring rappel, quoi. Non, mais... sauter qu'une fois, pas deux. T'as pris ça, sauter deux fois, tu sais. Faut faire. Hop. Hop là. Ouais, mais c'est une réserve d'énergie, hein. On est vraiment qu'au début de l'aventure, là. Voilà. Thank you.
Ah non. Avec des dés, quoi. Et la quête des 9 piles d'énergie. Pardon, excusez-moi. Et ouais, c'est pas ça du verrouillé. Pour l'instant, ce n'est pas possible de désactiver ce bouclier. Ah. Voilà. Ah ben voilà. Ça c'était facile. Ce mécanisme là je l'adore quand même. Alors, ici, ce qu'il faut faire, désactiver ceci. Then we feed. Et là maintenant, vous pouvez améliorer votre vaisseau. Lance missile vaisseau connecté. Et voilà, bon ben je vais arrêter pour cet épisode là. Voilà. Bon ben j'espère que ce let's play vous a plu. Et voilà. Bon ben on espère avoir fait un peu bien avancer dans le jeu. Voilà. Allez. Bon, je vais sauvegarder. Et je vous dis à plus.